Salut les geeks, petite vidéo présentation d'un support de casque. Donc là, vous pouvez le voir ici sur l'impression, d'ailleurs qui est plutôt bonne qualité et brillante sur un emballage mat, ce qui rend plutôt bien. On est sur un produit à nouveau de la marque Satechi. Donc j'ai déjà montré un produit qui était un support de bureau pour mon iMac. Donc là, on voit l'emballage qui est aussi soigné. Donc là, ils mettent en avant que c'est un stand pour casque en aluminium plus un hub USB 3. Voilà, donc on est en couleur Space Gray, donc vraiment dans les couleurs Mac. Si on regarde sur le côté ici, ils remettent en avant qu'on a trois ports USB 3. Sur le côté, petit visuel comme ça sur la tranche qui est plutôt plus bel effet. Ici, on voit le stand, donc là, ce qu'ils mettent en avant, facile à assembler. Aluminium, donc construction premium en aluminium. Câble organizer, donc pour faire son tag management, son câble management ici. Ici, donc le hub, donc les trois ports USB 3, donc ils sont autour. Donc avec les bases métalliques et une petite diode LED là. Donc voilà en soi. Ce qui est inclus dedans, donc a priori un câble USB 3, ça certainement pour le brancher à son ordinateur. Ici, le site satechi.net, donc de la marque. Sur le côté, ils remettent en avant les 3 ports USB 3 plus un 3,5, donc a priori prise casque. Qu'est-ce qu'on a donc au niveau des specs? On voit le modèle ici, le STAH-SHU3M. Donc on voit les dimensions. Il pèse 425 grammes, garantie 1 an. On voit les coordonnées donc de la société, donc qui est aux États-Unis. Bon, ben voilà, on va ouvrir ça parce que j'ai hâte de voir un peu. Commencer plutôt sur une présentation quand même très soignée, hein, je trouve. Alors, on a ici notre pied, donc on est bien sur de l'alu, hein. On est bien sur de l'alu avec ici la partie pour les câbles, la base qui pèse quand même son poids avec ici un élément antidérapant en dessous. Donc, on a bien nos trois ports USB 3 plus une prise casque. Le logo ici, Satechi, une LED pour dire que c'est allumé, et ici l'élément, à mon avis, pour mettre notre casque, notre support. Je pense qu'on met ici, comme ça. Voilà. On met ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On se retrouve avec une petite doc avec les specs, etc. Petite notice pour le montage, hein, vous avez pu voir, hein, on met juste dedans, on entend un clic effectivement, et voilà. Et après, on peut brancher des clés, on peut brancher ce qu'on veut, mettre son casque bien évidemment. Et là, il montre comment il est reconnu sur ordinateur. Voilà. Après, on a ici donc une prise USB, donc qui permet en soi de brancher donc ici. Ici, hop, pour brancher sur votre ordinateur. Et comme ça permet de faire fonctionner donc le hub. Ça permet de faire fonctionner le hub ici. Donc après, bon, c'est un support de casque. Donc l'intérêt, c'est de voir en mettant un casque dessus. Donc là, voilà, je mets un casque dessus. Hein, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Et ça rend du plus bel effet. Au-dessus, je ne vous ai pas montré, on a un petit élément ici pour pas abîmer son casque. Alors, j'ai changé légèrement le casque pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, le support. Donc là, on peut mettre son casque, bien évidemment, facilement. Il n'y a vraiment aucun problème. Ici, tout ce qui est câble, vous pouvez l'entourer autour si c'est un casque filaire. Ou si vous avez le câble USB. Enfin voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez au niveau du câble management. Dès qu'on le branche, ici, on a une LED qui s'allume. Donc là, je voulais brancher. Alors, c'est juste pour voir. Hein, c'est petit détail, hein, mais c'est ici, bien évidemment, on a notre LED. Si je vous le débranche, voilà, une petite LED qui devient bleue ici et qui permet de dire que le hub est fonctionnel, une fois en tout cas qu'il est branché. Voilà, vous pouvez vous mettre votre casque et en termes de setup, c'est bien plus sympa d'avoir son casque comme ça que se retrouver avec son casque posé un peu n'importe où et surtout c'est plus simple, on le prend et hop, on permet de travailler. Voilà pour cette petite vidéo, hein, vidéo plutôt rapide, hein, de ce produit de la marque Satechi, produit de très très bonne qualité, hein, comme le premier.
Peut-être même meilleur, parce que celui-là il est tout en alu, hein, l'autre il avait une base un peu plastique, même s'il y avait des pieds aluminium. Celui-là vraiment super sympa, très premium, bonne qualité. Je vous mettrai le lien en description. Alors je sais pas si je pourrais vous mettre un lien Amazon, je verrai un lien Amazon ou un lien sur leur site. Mais voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!